Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité... juste sous le lac. Mais... il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale... où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Qui t'ai-je ? Ne se trouve pas sous le lac. La cité, sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... ici. L'entrée de Kitej... est ici. Vous le saviez. Il faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara ! Est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Thank you.
Laura! Encore de la propagande. La tempête se rapproche. Je sais que je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ta mère, Lara. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère.
Ah, te revoilà. Si t'as encore de l'or pour moi, je te l'échange contre du matériel. Je crois pas qu'il nous ait repérés, mais essaie d'être discrète, ok? En vente libre, depuis un moment. C'est ce qui se fait de mieux. Ça faisait un moment que j'en cherchais un. J'étais sûr que vous le choisiriez. Je sais pas si tu m'entends. Faut que je trouve un refuge. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Shona.
Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Tu ne mourras pas. Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Des traces. Merde, ils sont partout. Peut-être un problème.
camion était trop lourd. Le pont s'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Faut pas qu'on prévienne ? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher. Qu'est-ce qui se passe ? Juste là ! On est en position de force ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère que... Alors, ça s'est bien passé, l'attaque de l'observatoire ? Ouais, on a récupéré l'Atlas. Ils l'ont emmené à la station météo. Quoi là-bas ? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna, qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire ? J'en sais rien. Mais on a reçu l'ordre de plier bagages. Les choses vont s'accélérer maintenant. Fouillez le secteur. Juste ici. Ouvrez l'œil. Il y a deux et tout ce qui bouge. Allez. Levez la tête. Attention.
Une vieille plaque soviétique. Anna est dans le coin.